qui vous écrase, moi à la place, je veux vous donner un autre jour qui ne pèse pas. Un langage facile. Jésus est en train de dire, ce qui m'écrase, ces fardeaux qui ont fait que mon foyer dandine, que ma jeunesse aille à connaître un échec. En la place de ces causes-là, Jésus a autre chose à me donner pour me remettre sur le bon chemin. Ça veut dire que ce matin, si nous sommes là, et que la tristesse nous écrase du jour au lendemain, il y a la joie que Dieu peut nous donner. Si le désespoir m'a amené ou t'a amené à faire ce qu'il ne fallait pas faire, ce matin, Jésus est en train de dire, amène-moi ton désespoir et je vais te donner un avenir meilleur. Et à la fin, il dit, tu auras le repos. Le repos ici n'est pas le repos éternel dont on fait allusion. Mais c'est son repos que tu peux rentrer chez toi et enfin, le bonheur revient à la maison. C'est son repos que tu vas cesser de t'inquiéter. C'est son repos qui va t'amener à remettre toutes les choses entre les mains de Dieu. Il y a des gens, des personnes qui sourient, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup, mais parce qu'ils ont eu la joie de Dieu.